Entrée. Première place aux barres asymétriques, Chelsea Memel, mais championne du monde aux barres asymes. Un des rares titres qui a échappé à l'immense Svetlana Korkina. Absolument. Elle a marqué l'histoire de la gymnastique. Oui. Et elle continue encore. Attention, c'est parti. Beaucoup de rythme. Passage sur le dos. Tour complet. Grand tour dorsal. Tour complet autour du bras. Et le salto Jaeger dans la foulée. Et pas une faute de jambe. C'est magnifique de la part de cette jeune américaine. Elle aura 16 ans le 6 décembre prochain. Et double avant, voilà. Toute petite. Du beau travail. Toute petite imperfection à la réception. Mais en revanche, l'exercice frôle. Eh oui, elle a montré une belle maîtrise tout au long de l'exercice. Elle a contrôlé absolument tout son enchaînement. Alors, on revoit à nouveau, voilà, le Stalder. Le grand tour dorsal avec tour complet autour du bras. Salto Jaeger, jambes serrées. Et nous allons retrouver tout de suite Nelson Montfort, Tony Cité, en compagnie de la championne du monde. Oui, Patrick, effectivement. Holly, it's very nice to welcome you at this microphone. This is your first time here in France. I suppose you're very happy to be here. And it also seems that each time that the Olympic Games come, the U.S. team is always at the top. Hein? Dès que se profile une année olympique, il semble que l'équipe américaine soit également en très, très nette progression. Well, the U.S. team has come a long way in the past 4 years, and we've been training really strong and we've just been doing really good and we're really excited for the Olympics this year. C'est vrai, je confirme ça. Nous entraînons vraiment, vraiment dans cette optique depuis 3 ans et maintenant nous arrivons vraiment au sommet dans la perspective de cette année olympique. Holly Weiss, USA. Thank you. Thank you. Merci, Nelson.